David Maxence. Numéro 2, Grignon Mathis. Numéro 5, Tango Antoine. Numéro 6, Bigot Paul. Numéro 8, Do Benjamin. Numéro 11, Tobar Thomas. Numéro 14, Pito Julien. Numéro 52, Tobar Florian. Numéro 3, Jeffard Marin. Numéro 10, Pichon Duncan. Numéro 12, Merceron Tom. Numéro 4, Baudin Nicolas. Et numéro 9, Pernon Mathéo. Bourguignon Chorel. Numéro 16, Gagné Étienne. Numéro 14, Tomer Nicolas. Numéro 11, Nadier Hugo. Numéro 15, Pas Geoffrey. Numéro 10, Dubeuf Corentin. Numéro 6, G.I. Johan. Numéro 12, Garnier Sacha. Numéro 7, Godsmith Simon. Numéro 9, Guillotto Martin. Numéro 8, Joubert Quentin. Et numéro 2, Robert Paul. Bien sûr, les consultants seront coachés par M. Geoffard Olivier et Grignon Benoît. Léon Chorel sera coaché par Capo Francis et Kamel Larnemi. Mélire Roy et Victor. Je pense qu'il en est là. Archambault-Aurélie, respect des joueurs, respect de l'arbitre. Bon match à tous, merci. Attention au public, nos Serpillanos vont vous faire un lancer de ballon dans les tribunes, juste avant les minutes. Christophe, pour cette deuxième rencontre de l'après-midi ici à AFR l'Espace Tartana, deuxième finale de coupe du comité départemental des Deux-Sèvres opposant Bressuire Montcoutant à Niort. Finale moins de 18 garçons. On l'espère aussi serré que la précédente en moins de 18 filles qui avait vu la victoire de Chorel à Crèche contre 79. Donc Bressuire Montcoutant jouera en rouge. Et Niort jouera avec des maillots noirs en espérant un match de qualité encore. Le coup d'envoi dans quelques instants. L'arbitre de cette rencontre, Aurélie Archambault. A savoir que Niort a joué hier les qualifications pour le championnat de France pour les 18 ans la saison prochaine. S'est qualifié brillamment à l'issue d'un tournoi de qualification dans la région bordelaise. Donc dans quel état de fraîcheur physique seront les joueurs niortais ce matin? Ça sera l'interrogation du jour. Et puis, à noter également qu'il y a une différence de 4 buts au tableau d'affichage, comme sur le match précédent, puisque Niort était cette année en championnat régional et Bressuire-Montcoutant en championnat départemental. Donc 4 buts d'écart en faveur de Bressuire-Montcoutant pour démarrer la rencontre, puisque c'est 4 buts par division d'écart. Je répète, Niort qui a joué hier un tournoi de qualification sur Bordeaux, donc dans quel état physique seront les joueurs, je ne sais pas. Et Bressuire-Montcoutant. On verra. C'est parti. Ah, dispositif A5 hein, du côté de Bressuire-Montcoutant, donc en maillot rouge. Avec la première action, la course fort dans le secteur interne. Et le but de Paul Romer. Que sur le bord de touche, parmi les coachs du club de Niort, Kamel Larnemi, l'entraîneur de la Nationale 3
les garçons de Niort qui s'est positionné, qui est venu seconder également Francis Capou et Mehdi Rouet pour cette rencontre. Le premier arrêt, la belle parade d'Emeric Fradin. Ça va le mettre en confiance. Oui, un gardien très explosif. On l'avait vu participer au All-Star Game 79 il y a 10 jours de cela. Il avait déjà démontré l'ensemble de ses qualités. Il le confirme cet après-midi sur cette première parade. Dispositif plus classique, hein, côté New York, 0-6. Premier arrêt également pour Étienne Gasquet. De poser le jeu tranquillement côté Bressuire. Voilà. L'ouverture du score pour Bressuire, Marin Geffard. L'ouverture qui score aussitôt également avec Corentin Deboeuf. 5-2 pour le moment en faveur de Brest-Clermont-Coutan. Niort qui a déjà refait une petite partie de son retard. Comme je disais tout à l'heure pour les filles du HBC Sud, le tout c'est que Brest-Clermont ne regarde pas le score pour l'instant au tableau d'affichage. Ça leur évitera de courir après le score et de se précipiter dans les choix des tirs. Mais bon, comme on dit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc on est parti sur une intensité assez grande. Pivot qui était bien trouvé, mais bien pris exactement. Il a réussi à se retourner comme il voulait. Un effort qui n'a pas réussi à se retourner. Du coup. Troisième but pour Niort. L'œuvre de Hugo Madère. Donc Niort qui fait son retard déjà d'entrée de match petit à petit. Défense de Niort pour l'instant. Leur 0-6 a l'air efficace. Mais bon, Bressuire va sûrement trouver la parade. Petite reculette. Et bon. La tentative de reculette du Gomadier, mais pas un bel arrêt d'Emeric Fradin sur le tir de l'ailier droit niortais. Les Niortais qui n'ont pas l'air émoussés de leur tournoi d'hier. Non, c'est que le début après. Nouveau but de Hugo Madier. Mais qui s'est bien rattrapé. Hein, après sa tentative de roucoulette, il avait choisi une solution plutôt en force sur ce tir. Ça lui permet de garder la confiance au tir. Se rassurer aussitôt. Donc, est-ce que Bressuire va réussir à réagir? Trop de pertes de balles pour l'instant du côté de Bressuire dans les attaques. Donc, un peu de peine à enclencher leurs actions, mais il faut dire que Niort fait ce qu'il faut en face. Au tir. On a l'impression que Bressuire manque un petit peu de solution face à la défense niortaise. Cherche un petit peu, ils ont marqué qu'un but hein, en 5 minutes. Un nouveau but de Niort, Nicolas Daubert. Et un
joueur qui a même participé à quelques rencontres en senior cette saison avec l'équipe de National 3 de Niort. Donc je pense que ce sera plutôt à son aise sur ce niveau moins de 18 lors de cette finale de coupe. Déjà depuis les 6 premières minutes, on voit déjà la petite différence de niveau. Mais bon, Bressuire n'est pas ridicule à côté, loin de là, au contraire. Non, il continue à... Ils essaient en tout cas de contourner le dispositif défensif avec l'échec là pour le... Un bel pas c'est pour du côté mineur. On sent que ça joue quand même plus vite sur le jeu de transition, sur le grand espace. On sent qu'il y a un vrai projet dans le jeu niortais de se projeter très vite vers l'avant et à mon avis les coachs de Bressuire Montcoutant, Olivier Geffard et Benoît Grignon l'ont vite compris. Voilà, ils demandent déjà le temps mort. Pour essayer de repositionner leur équipe qui n'a marqué qu'une fois en 6 minutes de jeu et qui par contre a encaissé 6 buts. On est parti sur des bases plutôt élevées du côté de l'attaque de feu niortais, on pourrait dire. Voir si ça va se confirmer. Pour le moment, il y a peu d'échecs au tir. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Alors que côté Bressuire, plus d'échecs, pas mal d'échecs au tir déjà depuis le début. Je pense qu'on peut en compter déjà 6 ou 7. Car dans les deux occasions de tir, j'étais à peu près à jeu égal avec Niort. Sans les Niortais sur une autre dynamique. Oui, exactement. Les Niortais beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort dans leur démarche. De se projeter vers l'avant, on sent un jeu plus abouti côté Niortais, un jeu de plus brouillon côté Bressuire Montcoutant pour le moment. Alors est-ce que c'est le début de match et l'appréhension de ce début de rencontre ou est-ce que ça va se confirmer dans les prochaines minutes? C'est ce qu'on va voir, mais je pense que Olivier Geffard a bien fait de prendre ce temps-là pour essayer de recadrer les choses, d'apporter quelques solutions aussi à ces joueurs qui semblent par moments un petit peu en délicatesse dans ce qu'ils peuvent faire en attaque. Il faut absolument corriger le repli défensif parce que pour le moment, les Niortais sont très en avance dans le grand espace. Et c'est toujours la même solution envisagée, hein, c'est-à-dire un jeu en contournement du bloc défensif. On cherche à aller... Bien battu côté de Bressuire pour récupérer cette balle. Donc voilà, on repose l'attaque côté Bressuire. On va essayer de trouver une bonne solution. On reste sur deux échecs, hein, sur les ailes, un aller à la droite et un aller à la gauche. Voilà. J'ai l'impression que le secteur central autour des postes 2, poste 3, ça semble quand même ça a l'air plutôt d'être compliqué. Voilà, je pense qu'il vaut mieux essayer de passer par les extérieurs, mais avec cette défense apathique qui prend beaucoup de place sur la largeur, c'est pas forcément simple. Il faut savoir être patient. Oui, je pense que ce sera difficile pour Bressuire de venir prendre en défaut là. La charnière centrale des deux postes 3 de Niort. Ouais, il faut dire aussi que Niort, après, il y a des shooters de loin qui font bouche à chaque fois. Donc il ne laisse aucune chance au gardien. C'est bon dans l'alternance. Hein. Ils ont joué vite sur le grand espace. Ils ont fini à l'aile. Ils finissent en pivot. Ils sont plutôt bons dans le grand espace. La finition. Et derrière, ils ont encore les solutions sur la fin de montée de balle avec leurs arrières qui arrivent lancés à 9 mètres, qui déclenchent, qui n'hésitent pas à prendre leur responsabilité. Donc c'est Pichon Julien. Il ne faudrait pas par contre que Bressuire se décourage trop vite, qu'il baisse ses bras trop vite, même s'il voit qu'ils sont un peu... Ce but va leur faire du bien. Ils étaient quand même dans le doute depuis quelques minutes. Ils arrivent à scorer. Je pense que mentalement c'est important pour eux. Maintenant il va falloir qu'ils décrochent, qu'ils sortent un petit peu plus tôt sur les arrières qui arrivent lancés à 9 mètres, car là c'est presque dans un fauteuil que les arrières arrivent plein centre. Oui voilà, c'est un peu trop facile après. Mais bon, ils vont... Bressuire redoute à mon avis la relation entre la base arrière et le pivot du côté de Niort, donc ne souhaite pas se désaligner trop tôt, mais au final ils ne viennent pas impacter le shooter à 9 mètres, et vous voyez l'inverse par rapport à... Ouais. À Niort, qui là, dès qu'il y a une menace qui vient à 9 mètres, sort et décroche le poste 2 ou le poste 3 pour venir impacter le joueur et tout de suite rompre la continuité du jeu. C'est un effet beaucoup plus positif en tout cas pour la défense. Et ça met les joueurs de Bressuire plus en difficulté. Alors, on innove avec la rentrée en deuxième pivot.
Le shoot peut être pris un petit peu tard. Mais un peu tôt, je pense. Hein. La parade de Hendrick. Et il y a marché de la part de Corentin Leboeuf, soufflé par Aurélien Archambault. On peut dire que c'est du solide point de vue défense côté Niort. Dans le rapport de force, je pense que les Niortais sont supérieurs. Après, est-ce que Bressuire arrivera à les épuiser vu leur match d'hier? Il y aura sûrement un peu plus de fatigue du côté Niort, mais bon, pour l'instant. Dans ces 10 premières minutes, ça ne se ressent pas. Est-ce que ça se ressentira sur la seconde période? On verra maintenant si l'écart est trop grand en faveur de. Respire se laisse décrocher trop tôt. Là pour l'instant ils font ce qu'il faut pour respecter le score, c'est très bien. Et Hendrick Fradin vient encore faire un bel arrêt. Dommage sanctionné par 2 minutes. C'est Thomas Debar. Ça fait 7 mètres en faveur de l'Union. Ses coéquipiers savent qu'ils peuvent compter sur lui dans les buts, ça va aussi aider la défense. Mais bon, ça fera pas tout quand même. Et après, c'est toujours pareil, il faut savoir scorer quand on est devant le but adverse. Trouver les bonnes solutions. Mais on sent déjà oui, que Bressuire, c'est un jeu beaucoup moins rapide, un peu plus brouillon, comme vous le disiez tout à l'heure, Emilien. Mais on n'est pas sur la même intensité. On voit qu'il y a, là, on voit plus la différence des niveaux en point de vue championnat que tout à l'heure avec les filles. Ça se voyait beaucoup moins. C'est beaucoup plus marqué. Et puis, encore une fois, il y a quelques joueurs dans l'équipe de moins de 18 qui ont joué avec le collectif National 3 cette année ou qui, à minima, se sont entraînés. Je pense que ça leur apporte aussi beaucoup. Exactement. Arrêt d'Étienne Lesnier dans les buts d'Urtec. Encore une fois, le but à l'opposé sur la fin de montée de balle. Alors que Quentin Joubert vient encore d'inscrire un but pour Niort. Alors, Étienne Gasnier, dans les buts niortais, il n'est pas gardien, Christophe. Il a joué sur le champ pendant longtemps et c'est un peu une reconversion inattendue pour lui. Mais il fait son travail. Oui, pour l'instant, si on ne le sait pas, on ne le devine pas. Bressuire qui a toujours du mal à trouver ses solutions en attaque. C'est des choses forcées, c'est des choses plutôt compliquées parce que la défense niortaise est bien en place. Par contre, dès qu'ils ont récupéré le ballon, ça monte vite. Ça trouve en 2 ou 3 passes, ça trouve déjà la solution de shoot. C'est le même schéma, depuis le début du match, à savoir une grosse défense, une récupération de balle rapide et une projection vers l'avant. Plus que rapide également, et puis pour les solutions, contre-attaque, les femmes montent de balle, et c'est un peu le schéma qui se répète. Là, sur l'engagement rapide, encore une fois, c'est Hugo Madier qui va au tir, qui marque. C'est vrai que c'est difficile, même psychologiquement, pour Bressuire qui met du temps à scorer, qui met du temps à mettre un but à cette défense niortaise et qui à l'inverse en encaisse très très rapidement. Voilà, et le problème, c'est que dès qu'ils arrivent à marquer un but, ils en prennent un aussitôt sur l'engagement. Ça casse aussi assez vite le moral, mais bon, faut pas lâcher. Belle parade aussi, gardien Niort. Une exclusion de 2 minutes Paul Romer. Un petit peu en retard, pas lâcher assez tôt. C'est mérité. L'arbitre du match, Aurélien Archambault, qui a l'habitude de diriger des rencontres de niveau national. Très bon arbitre des Deux-Sèvres. Exactement. Pas de doute sur sa capacité à évaluer au mieux les actions. Et encore une fois, Étienne Gasnier encore également. Étienne Gasnier qui fait encore la parade sur ce 7 mètres. Et encore là sur ce tir à l'aile, ça fait 2 parades consécutives. Même si là, le tir à l'aile était peut-être le plus délicat. Oui, parce qu'il était quasiment point de corner au moment du shoot. C'est très compliqué.
Bressuire qui monte un petit peu plus haut en défense de la partie. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il faut. S'ils veulent pouvoir contrecarrer un petit peu les shooters adverses, il faut qu'ils soient plus haut. Il faut qu'ils aillent impacter, à mon avis, plus fort. On va bien voir si ça porte ses fruits, on espère pour eux. De toute façon, il faut trouver une solution car autrement, on ignore, ils vont s'amuser tout le long du match à faire leur tir à 9-10 mètres. Et... Ah, dommage, on revient à la faute. Elle s'est fait un petit peu tout, effectivement. Oui. Elle s'excuse, Aurélien Chameau, mais effectivement, elle ne pouvait pas deviner. La balle allait revenir dans les mains du culot. Oh, très belle lucarne, par contre. Trouvée par Julien Cusson. Une très belle parade après pour finir du côté de Cuir, Emery. Très bel arrêt. L'arrêt encore une fois d'Étienne Gaffier. Il y a une bonne lecture du jeu de Étienne Garnier. C'est dommage car Brespire aurait pu revenir à un petit but. Et ça fait plusieurs solutions que. Brestier, mon couton, n'arrive pas à exploiter. Alors là, le dispositif défensif a été alors toujours aligné, mais aligné beaucoup plus haut. Hein, le bloc défensif de Olivier Geffard est beaucoup plus haut. Je pense que le coach a réglé par rapport à ça. Voilà, Brestier qui, on dirait, reprenne un petit peu la mesure de Niort sur la défense. Il récupère un petit peu plus de ballons. Qui leur permet après de scorer un peu plus facilement car il y a beaucoup moins de. Depuis 2-3 tirs, un peu moins de déchets. Ouais, les cartes sont stabilisées. Hein. On avait cru que. Je pense que Niort allait faire cavalier seul là sur cette première mi-temps. Notamment, Olivier Geffard a eu du bon. Très bonne récupération de ballon. Encore Mathéo Fugera qui redresse qui s'en va seul au but et qui marque. Donc, je pense qu'ils avaient peut-être un petit peu d'appréhension au début de match, ça se peut aussi. Il va falloir sortir ce shooter en Urpès, sinon Brestier Montcouton aura des difficultés à gérer cette menace. Je pense que pour moi il y avait un peu d'appréhension et là ils ont pris la mesure maintenant. Ils pensent qu'ils voient qu'en fin de compte ils peuvent faire jeu égal. Après oui. Défense de Niort, on voit quand même qu'il y a du potentiel dans cette défense, il y a de la rigueur, du physique aussi. Justement, comme vous dites, Christophe, quand la rigueur est là, en général, c'est très très efficace du côté niortais, avec une belle couverture, une belle association, de l'entraide si nécessaire, et de la profondeur également pour empêcher le jeu de Brestier à se développer. Éric Fradin. Le sanction du différée, la sanction différée pour Thomas Debar et avertissement, mais voilà, balle au gardien, Eric Fradin qui a encore fait un bel arrêt sur ce tir dans l'espace externe de Johan Joly. Son premier but permet de tenir Brestier à égalité. C'est bien pour Brestier qui arrive à trouver d'autres solutions avec plusieurs joueurs depuis quelques instants et ça permet de multiplier les menaces et d'apporter plusieurs dangers. Je pense que c'est une bonne chose pour Brestier en tout temps. C'est pareil ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que Niort va peut-être pas aussi payer un peu son match d'hier il va se fatiguer peut-être un peu plus vite que Brestier. Les rotations ont été faites. Beaucoup de rotations de fait également du côté de Niort. Est-ce que ça va impacter sur le rendement de l'équipe? C'était une très belle ouverture à l'aile de trouver, mais bon. Je pense que l'entraîneur de Niort va remettre les choses un peu en place lors du temps mort. On le sentait un peu arriver, effectivement. Je pense que Kamel Larlemi ne doit pas forcément être satisfait de l'ensemble des prestations de ses joueurs. À mon avis. On va mettre un petit peu d'ordre. Oui, un peu plus de rigueur, je pense. Ils ont des solutions, les Niortais. Il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils font.
Nous, les solutions d'attaque, il faut gagner le duel tireur-gardien parce qu'Emeric Franer est en train de prendre un petit peu le dessus sur les tireurs, ouais. Le tireur éloigné. Et puis défensivement, quand il commence à s'isoler, à plus mettre la rigueur et l'entraîne nécessaire, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué pour nos amis Bressuet, mais Signor ne fait pas ces efforts-là. Bressuet s'engouffre dans tous les espaces et les intervalles disponibles. Et en multipliant les possibilités, on l'a vu avec Paul Didet ou avec Marin Géfa, il faut absolument qu'il continue là-dedans et que Seigneur remette davantage de rigueur. Maintenant, 12 partout, ils ont refait leur écart de 4 buts au bout de 18 minutes. On l'a vu tout à l'heure sur le match des filles, c'était un petit peu plus compliqué. Est-ce que Seigneur n'était pas partiste sur cet objectif, justement de tout donner pour attraper tout de suite ces 4 buts peut-être, et après gérer un petit peu le match. La technique de... Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, on s'était remonté tout de suite les 4 buts et après repartir sur un nouveau match. Bon, maintenant on peut dire qu'on est sur une parité parfaite. 12-12, 18 minutes de jeu. Donc on va voir si le temps mort de Niort aura été bénéfique pour retrouver un bon sens de marche, retrouver les bons intervalles. Alors pas de changement hein, dans le collectif niortais. Amel Larnemi a choisi les mêmes joueurs, mais je pense qu'il a régulé, voilà. Plus spectaculaire que dangereux. Troisième parade consécutive. Hein, il a eu un petit passage à vide dans les 5 premières minutes. Et là, maintenant, ça y est, il a pris la mesure des tireurs niortais. Et par rapport à Johan Gély, l'arrière-gauche niortais, effectivement, il a pris le premier tir de Johan Gély, puis derrière, il a réussi à enchaîner 3 parades successives sur ses tirs. Il a bien lu la trajectoire. Là, on sent les montées inversées des postes 2 qui viennent chercher très haut, en fait, la base arrière de Bressuire. Et ça casse le jeu de Bressuire beaucoup de temps. Effectivement, Niort est dans de bonnes intentions défensives. Fischer, voilà, la preuve, la récupération de balle par Corentin Leleu, qui bénéficie à son équipe. On voit que Bressuire, grâce à leur défense toujours alignée mais quasiment en 9 mètres, ils bloquent un peu les solutions de passe des Niortais, leur permet de récupérer le ballon un peu plus facilement. Ça s'est équilibré. Ouais. Ça s'est équilibré, on a eu un début de match vraiment en faveur des Niortais. Bressuire a réagi et là depuis quelques temps on est sur un équilibre. Dans la rencontre, on était parti encore avec beaucoup de buts dans les premières minutes et puis les défenses se sont réglées petit à petit et au fur et à mesure, on a vu l'attaque un peu plus en difficulté de chaque côté, quelques maladresses et alors on l'a vu encore là, une perte de balle. Perte de balle, mais très bon retour aussitôt du numéro 12, Tom Merceron. J'ai l'impression que le rythme est un petit peu retombé, hein. Même dans les tribunes, on sent qu'il y a un peu moins d'enthousiasme. Et là, le quatrième tir pris par Johan Gély. Quatrième échec. Tout à fait. Il doit être un sur 5, Johan Gély, depuis son entrée. Alors je pense qu'il a toutes les armes pour réussir. Juste qu'il soit un petit peu plus précis. Peut-être qu'il se précipite un peu moins. On va tarder peut-être un peu plus son tir, lire un peu mieux le gardien. C'est justifié donc pour Johan Gély, l'exclusion de 2 minutes. Ça lui permet de souffler un petit peu, de calmer un petit peu les esprits. Donc maintenant on jette 7 mètres. Nouvel arrêt de Étienne Gasquier. Étienne Gasquier qui a un jeu. Je répète, on n'est pas gardé au départ et là il nous fait quand même une sacrée belle rencontre, en tout cas une très belle première mi-temps, il est déjà à 2-7 mètres arrêté.
Ouais, de 7 mètres. De toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tous les 7 mètres ont été arrêtés. Je pense qu'on est reparti comme pour les filles, un match peut-être de gardien. Oui, effectivement, mais... C'est Corentin Deboeuf qui est parti seul au but avec Corentin une belle récupération. C'est également un excellent joueur qui s'entraîne avec l'équipe, avec le collectif National 3. Il a laissé une petite chance à Emeric Fradin. Donc 13-11 pour Niort. Niort qui reprend un petit bout d'avance. Double perte de balle. C'est un peu plus brouillon hein, le jeu. Là, depuis 2-3 minutes, on est sur des pertes de balles de chaque côté, on est sur des jeux un peu plus haché, c'est pas facile. Et les gardiens toujours. Ils tiennent toujours en forme. Pour présent, c'est vraiment la révélation du jour, Etienne Gassier dans ses buts. Il utilise toute sa science de joueur pour lire les. Les tirs adverses. C'est qui le gardien habituel est absent aujourd'hui, Lilian. Alors peut-être qu'il était blessé, on n'a pas eu l'information Christophe, mais peut-être qu'il était blessé et du coup pas de risque là. Dommage que c'était une très belle relance tout à l'heure du terrain. Enfin là, Etienne Gasny, il a tout d'un grand gardien, hein. C'est ce qu'il fait depuis le début de la rencontre. Il relance, il fait les parades. Il n'est pas toujours équilibré dans ses parades, mais c'est plutôt efficace et ça permet à Lyon en tout cas de contrecarrer les offensives de Brest. Et la perte de balle, c'est terrible. Alors que Lyon est à nouveau au complet sur le terrain, Johan Gély est revenu. J'ai l'impression qu'on pousse un peu moins les ballons côté Brest beaucoup de temps. Alors est-ce que c'est un choix, peut-être une régulation un peu, par rapport aux nombreuses pertes de balles, ou est-ce que c'est plutôt, comme vous dites Christophe, presque contraint par un manque un petit peu d'énergie. Quel but de Pichon Rodkan. Bien excentré à l'aile, il a réussi à marquer ce but en se trocomant à l'envers, un genre de revers. Et là, on retombe dans les travers un petit peu. Hein. Une défense qui ne vient pas impacter le demi-centre et qui peut armer son tir à 9 mètres tranquillement. Il faut que les Brestois mettent un peu plus de rigueur dans ces actions défensives, sinon. Il faut qu'ils soient plus disciplinés, sinon ils vont être en difficulté par rapport à ces shooters de Niort et ça va leur poser des problèmes. Quoi. Brestuaire qui revient petit à petit, mais voilà, ils sont. Score toujours de parité, 14-14. L'entrée de Maxence David à la droite, qui score sur quasiment son premier ballon. Et la variété dans le jeu niortais, on a tiré de loin, on a essayé sur les ailes, on a vu Gomadi en début de match, là on cherche la solution et on la trouve en pivot, on a joué sur le grand espace. Il y a vraiment de la qualité dans le jeu proposé par les niortais, il y a une grande variété. C'est très complet en tout cas, et quand ils sont dans une somme d'efforts collectifs, ça fait un bel effet. La balle n'est pas sortie, le bras est levé. Reste 6 passes. Maximum 6 passes. Le bras va toujours rester levé. Ouais, alors on va voir combien de passes il reste à Brestuire pour. Un tir désabusé là. Je pense qu'il reste 2 passes à mon avis à Brestuire pour essayer de trouver une solution. C'est pas nécessaire de prendre une posture aussi rapidement, mais. Peut-être qu'en ayant vu le bras levé et la solution, pourquoi pas, mais bon. Il n'y avait pas trop d'envie en plus dans ce tir, c'était plus une passe au gardien quasiment. Voilà, mauvais bloc.
aussi pris trop les brissurets dans les relances. Et le problème, c'est qu'à ce jeu-là, ils vont s'épuiser très vite. Il faudrait que dès qu'ils ont récupéré le ballon, il faudrait savoir garder un peu plus la balle, poser un peu plus les attaques. Deuxième mauvais bloc de suite, faire attention à ça, côté Niortais. Le pivot est passé en zone. Maintenant, le pivot est en train de fuir. Oh, il vient de contrer par la tête. Et Jeffard Marin qui vient prendre une exclusion de 2 minutes. Oui. Apparemment une petite poussette par derrière, j'ai pas vu vraiment l'action au départ. C'est, en tout cas, c'est le signe que l'arbitre lui a indiqué. Les coups sont beaucoup plus faciles à trouver, les espaces. Donc, le bœuf qui est parti d'une course, une grande course derrière, pour le arrière droit départ de l'action, qui termine dans l'espace externe à côté gauche et qui trouve la solution au sein de la défense. On va suivre en coutant. Donc les choses sont travaillées du côté de Zenior également. Là, sur l'enclenchement prévu par le coach sur la supériorité numérique. Toujours un but d'écart, hein, toujours un but d'écart. Le match reste serré. Est-ce que la supériorité numérique va permettre à Niort de prendre le large? Cette parade encore de Eric Fabin sur cette magnifique relance de Niortais. On va rentrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. Alors que Niort a changé légèrement de défense, ils sont 5-1 avancés aussi. Et vachement. Ouais, assez haute, hein, ouais, assez voilà. Haute. On cherche vraiment à perturber le réseau d'échange sur la base arrière, hein, et ça porte ses fruits. Quelle passe au pivot dans. Belle passe dans le dos de Paul Robert. Hein. Et la conclusion de Jeff Repin qui du coup permet à Niort de prendre 2 buts d'avance. À 30 secondes de la fin. Ah, ce serait bien que Brespire juge le score avant de rentrer au vestiaire. C'est la deuxième perte de balle, hein. Deuxième perte de balle de suite. Et du coup, Niort qui inscrit 2 buts en moins de 30 secondes et qui aurait gagné le vestiaire avec un écart un peu plus confortable. C'est dommage, le Brestois était au coude à coude à moins d'une minute et avec cette union temporaire à un petit peu kilo de cette fin de première mi-temps. Donc, il va falloir que le Brestois recadre un peu son jeu là, pendant la pause, que le coach redonne des consignes claires et précises. Mais bon, rien n'est perdu pour Brestois beaucoup de temps. Il n'y a que 3 buts d'écart, 3 buts au hand, c'est rien, surtout il reste encore 30 minutes de jeu. Mais bon, par contre, il faut qu'ils s'en mettent dans le match dès la reprise pour rester collé au score. Puis après, vu le jeu de Niort, si l'écart grandit, à mon avis, ça va être compliqué pour Brestois. Je pense qu'il faut que Brestois réagisse surtout par rapport à cette défense étagée qu'a proposé Niort sur la fin de première mi-temps, qui a beaucoup perturbé. Il a beaucoup perturbé les joueurs de Brestois et il faut vraiment que le coach Olivier Geffard arrive à trouver des solutions par rapport à ça parce que les joueurs sont plutôt en difficulté. Niort semble vraiment prendre l'ascendant et alors malgré
malgré leur débauche d'énergie peut-être de la veille et de leur tournoi qualificatif. En tout cas, ça ne se ressent pas. Il y a beaucoup de rotations sur les changements. Kamel Larnemi fait beaucoup de turnover et ça permet de garder tout le monde au frais. Pour le moment, en tout cas, Lyon réussit la première mi-temps parfaite, a refait son écart de 4 buts, a repris même un delta de 3 buts. On verra ce que ça donnera en deuxième mi-temps. Rendez-vous dans 10 petites minutes. À tout à l'heure, Emilien. C'est revenu, j'ai dit rien. Avec le premier but pour Bressuire. Allez, Bressuire qui revient à deux petits buts. C'est ce qu'il fallait d'entrée de match. Je pense qu'il s'est décroché tout de suite. Oui, tout à fait. Donc maintenant, Niort. Il fallait revenir rapidement avec de bonnes intentions. Et c'est ce que les Bressuire. Le bras élevé, côté Niort. Quelle belle lucarne trouvée par Hugo Madier, hein, qui est venu depuis son aile venir à 9 mètres carrément sur une course croisée, qui vient prendre le tir à 9 mètres. Il est capable de varier, Hugo. Il tire à l'aile, avec des gestes techniques, on l'a vu tenter le roucoulet tout à l'heure. Là, il attire plutôt en force. Une belle palette qu'il nous propose dans son jeu aujourd'hui. Très belle défense. C'est rugueux mais correct. Il n'y a pas de sanction à avoir là-dessus. C'est l'engagement physique, c'est le hand, c'est ça. C'est peut-être ce que Bressuire manque un peu de son côté en défense. Mais bon, après, comme on disait tout à l'heure, il y a un niveau d'écart aussi entre les deux équipes. Donc, oui, ça arrive par moment, Bressuire a un petit peu en difficulté dans le jeu. Voilà, mais on compense avec beaucoup de volonté. Benjamin Manon vient d'emporter la preuve. Donc, exclusion temporaire de minutes pour Matteo Pugnan, côté Bressuire, un peu en retard, une petite poussette. Et jette 7 mètres pour Niort. Donc Hugo Madier au tir. Hugo Madier va tenter d'inscrire le 20e but pour Lyon. Chose faite, Emeric Fradin a pris un petit peu contre-pied. Donc Lyon à nouveau avec 3 buts d'avance comme à la pause. Ah,
peut-être pas porter tant le ballon côté Bressuire dans cette défense qui resserre très bien au niveau central pour Niort. À mon avis, les solutions vont venir ailleurs. Voilà, comme ici, décalage à l'aile. Et... le ballon est coincé. Le ballon coincé sous la barre, la dernière. Ça y est. Effectivement, Etienne qui avait encore fait, Etienne Gassier qui avait encore fait là. D'accord, il n'y avait pas d'espace entre le poteau et lui. Il force les tirs adverses à être en échec. Et là, c'est Hugo Madier qui vient à nouveau scorer. Un bon petit bras gauche. Oui, effectivement, quand il était sur le banc en première mi-temps, on a senti un petit peu la différence dans le jeu de Niort. Il faut aussi reconnaître, on sent le poids d'Hugo dans le jeu niortais. Et là, ça fait quand même depuis la reprise, il est sur deux buts, deux actions positives. On va suivre en infériorité numérique qui a plus de difficultés. Hein. Beaucoup de difficultés à s'exprimer sur le terrain. On est dans beaucoup de duels, mais on part arrêter. Oui, effectivement, on s'expose à ce type de sanction. Et encore Hugo Madi qui récupère la balle pour Corentin Leboeuf, c'est en fin de montée de balle, qui score. Niort qui prend 5 buts d'avance. Attention à l'écart. Bressuire, pour laisser partir Niort trop loin, trop vite. Et trop tôt surtout, il n'y a que 4 minutes de jouer. Il faut resserrer le jeu côté... C'est bien sûr qu'il va retrouver un sixième joueur, ça va les aider dans leur quête, je pense. Et Niort est encore bien présent, défensivement. Et le coach de Niort qui donne de la voix sur la touche pour remobiliser ses troupes. Kamel Lernemi qui encourage beaucoup ses joueurs, qui est derrière eux en permanence, qui ne les lâche pas. Porte ses fruits, il est extrêmement rigoureux et exigeant avec eux. Corentin Leboeuf qui a récupéré un ballon. Bien. Temps mort demandé par Bressuire déjà. Oui, tout à fait. Temps mort pour. À mon avis, c'était. Bressuire un petit peu comme. C'était à prévoir pour remettre un peu d'ordre dans le jeu de Bressuire Montcoutant. Donc Bressuire Montcoutant démarre cette deuxième période comme ils ont démarré la première, un peu à l'agonie dans tous les secteurs, que ce soit défense ou attaque. Ça fait un petit peu le même scénario qu'en première mi-temps, c'est top. En première mi-temps, très rapidement, ils se sont... Mais bon, en première mi-temps, on disait que c'était l'appréhension du match. Ils avaient ces 4 buts d'avance qui leur a permis de rester dans la partie. Là, il va falloir qu'ils réagissent plus vite parce qu'ils sont déjà à 6 buts. Oui. Mais le coach, Olivier Geffard, avait trouvé des solutions après ce moment en première mi-temps, avait remobilisé ses joueurs, apporté d'autres solutions et d'autres idées dans la construction d'attaque. Il avait demandé à ses joueurs de mettre un peu plus de profondeur en défense, qui avait donné plus de résultats également dans la récupération du ballon. On va voir comment les joueurs de Bressuire-Montcoutant se comportent sur cette reprise de temps. Mais je pense qu'il était nécessaire de couper un petit peu la dynamique. Oui, exactement. Négative en tout cas, cette spirale négative. Pourquoi que les joueurs de Bressuire baissent la tête trop vite Je pense que le coach Niortais va réagir lui avec une défense assez étagée pour continuer à émousser physiquement et couper le réseau d'échange, l'ensemble des trajectoires de passe. À mon avis, la réaction est là. Et Etienne Gasly encore qui touche la balle alors qu'il était presque parti trop tôt. Mais... Avec une vraie qualité de relance, Etienne, des grandes relances. Belle relance, et puis, quasiment dans les 9 mètres opposés, qui sont précis. Un Anguilloto qui se loupe pas au tir non plus, donc voilà, ça fait mouche à chaque fois, pour l'instant pour Niort. Donc l'avance grandit assez rapidement, plus 7 maintenant pour Niort. Etienne Gagné encore, quelle parade. Et dire que ce joueur n'est pas gardien habituellement. Ah, c'est assez exceptionnel ce qu'il nous fait Etienne Gasté aujourd'hui. Il en rigole d'ailleurs tout seul dans ses buts, si vous le regardez bien. Il en est même surpris d'être aussi efficace, mais il a l'air en tout cas vraiment de s'amuser sur ce poste. Il est en confiance maintenant. Donc. Ça fait plaisir de voir un joueur qui...
qui probablement a pu avoir quelques doutes au départ sur sa capacité, mais quand on voit ce qu'il fait. Mais Aymeric Fabien en face. Il y a une belle riposte. Laisse pas sa place non plus, voilà, c'est. Ah, les Niortais de plus en plus haut, hein, les Niortais qui sont quasiment sur un dispositif 3-3, très très haut sur le terrain, qui récupère beaucoup de ballons. Je pense que c'est peut-être qui va malheureusement mettre fin à tout suspense. Ouais, ça va être compliqué pour Bressuire. Parce que là, les Bressuirais sont vraiment en délicatesse dans la capacité de jouer sans ballon, à proposer des mouvements entre les joueurs. Là, il faut que Bressuire essaie de battre cette défense par un mouvement de joueur. Ils sont à l'arrêt en plus, ils prennent la balle souvent peu lancée, ils courent sur les défenseurs, ça va devenir compliqué pour eux. Ils vont s'épuiser physiquement. Vous disiez tout à l'heure, Niort physiquement est plutôt costaud, donc ils vont s'épuiser à venir s'encastrer sur les défenseurs niortais. Je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des solutions. À mon sens, peut-être en faisant rentrer un joueur à l'intérieur. Ils ont du mal, Bressuire, à trouver les solutions. Voilà, ballon récupéré par Niort. Un peu de folie dans ce match. Malheureusement, de la folie maîtrisée, ça serait bien parce que là. Et Bressuire, là, on le voit qu'il est un peu en perdition alors qu'il y avait deux joueurs tout seuls devant. Le ballon n'aurait pas parvenu. C'est dommage parce que c'était le. Ils font les efforts. Ils font les efforts, mais il manque un petit peu de lucidité et c'est dommage. En espérant que ça ne les décourage pas trop vite non plus. Pour qu'il continue à fournir du beau jeu quand même, malgré tout. Le bras élevé pour Niort. Il va falloir tirer assez vite. Ce serait une belle enfilade sur le pied du gardien. Plus 9 pour Niort. Ouais, faire aux poulettes à nouveau du Gomanier, cette fois elle est passée. En première mi-temps, Aymeric Fradin avait réussi à stopper le tir. Le tir de Lélie Niortais, là, belle roucoulette, maîtrisée. Ah oui, là, on peut dire qu'elle était. Il y a encore une balle perdue pour Bressuire. On sent que Bressuire est en difficulté, là. Bressuire beaucoup en difficulté dans le jeu en attaque placée. Là, effectivement, il a libéré la balle. Force. Très contact. Cette défense très haute, très étagée. Ah oui, c'est presque une défense tout terrain. Sont en difficulté, ça manque de mouvement sans ballon. Ça manque de mouvement sans ballon, la solution qui sera par là. En jouant à l'arrêt, il se fait la base arrière, reste aligné à l'arrêt. Ça va être compliqué. Quoi. Ah oui, je vous dis, c'est quasiment une défense de tout terrain, d'homme à homme. Ah oui, ils sont positionnés très haut, ils cherchent vraiment à couper l'ensemble de trajectoire. Il faut se parler côté Bressuire, il se gêne. Une autre belle reculette de Ramondi Otto côté gauche. Il a répondu à Hugo Manier. Hein. Chacun son tour. Ils sont peut-être lancés un petit défi entre eux dans le défi d'ailleurs. Hugo le salue depuis son aile opposée. Mais ça devait être le défi entre eux peut-être de la journée. Qui sait qu'on aura fait le plus à la fin de la rencontre. C'est sympa, et changement de gardien. Hein. Changement de gardien du côté Bressuire. Tom Berceron qui trouve le chemin du but pour Bressuire quand même. Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas marqué un but. Ça y est. 9 buts d'écart. Hein, voilà, le score a redécollé pour Bressuire. Ouais, on sait qu'il y avait également 4 buts au départ en faveur de Bressuire-Montcoutant. Bressuire-Montcoutant évolue au niveau départemental et Niort-Chorey au niveau régional cette saison. Ah oui. On comprend mieux aussi pourquoi Niort-Chorey s'est qualifié pour le championnat de France quand on voit le niveau la saison prochaine. Il faut quand même à souligner qu'ils ont éliminé les moins 18 de Villiers qui jouent en championnat de France depuis de nombreuses années, qui est un club phare des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est vrai que c'est
aussi signe de maîtrise là. Voilà, le joueur bagnard il s'amuse, voilà. But de Paul Romer sur un petit kung-fu. Oui. Magnifique. Là, on est dans la maîtrise technique. Oui, là, on voit. Ça pique. Autant ça pique dans ce qu'ils font. Autant mais... que alors pour les filles, on ne voyait pas la différence de niveau, mais là, on la voit. D'entrée de jeu, on l'a déjà vu, de toute façon. Il est un petit peu en retard. Oui, tout à fait. En retard dans son intervention. En retard, l'ailier est bien orienté. Il va aller souffler un petit peu sur, sur la touche. Cette mètre en faveur devrait suivre. Allez, ça vient de le mettre. Pour donner un petit peu de confiance. Grignon Matisse. Non, c'est pas Grignon Matisse. Tom Merceron. Tom Merceron qui trouve la solution face à Étienne Gasnier qui était parti un peu vite sur, son, sur sa parade. L'entraîneur des noms qui demandait reprise de dribble, ça me semblait effectivement là, assez juste dans sa requête. C'est très désorganisé du côté de Brest, hein, c'est très désorganisé. Il n'y a plus vraiment de construction dans leur jeu, le repli défensif reste un petit peu à désirer. Il faut, qu'ils relèvent la tête les joueurs de Brest, c'est pas facile mais... Un petit peu à bout de souffle là. Ouais, le temps mort d'Olivier Geffard n'a pas porté ses fruits autant qu'en première mi-temps. Rentrer un joueur, en plus Lior alterne beaucoup dans ce qu'il peut proposer. Alors ce qui est surprenant, c'est que tout à l'heure il y avait une défense très étagée, très haute, on a fait rentrer aucun joueur, là la défense est beaucoup plus basse et on fait rentrer des joueurs en permanence. Lior qui est toujours en infériorité numérique. Hein. Oui. Ah, il s'épuise, les joueurs de Bressuire en attaque. Le bras élevé. Ah, un de plus. Ah là on s'aperçoit par contre que Étienne Gasnier n'est pas gardien. Il est parti un peu tôt, il a anticipé le tir. Et effectivement, il aurait un peu déséquilibré dans sa parade. Du coup, il encaisse le but. C'est peut-être assez c'est petit défaut qu'on remarque que ce n'est pas un gardien au naturel. On va dire qu'avec 9 buts d'écart, il peut se permettre de, quelques petites erreurs. Si on peut appeler ça des erreurs. Ah oui, il fait une très très bonne partie. Oui, oui. Allez, c'est parti pour Brest contre attaque. Ah, c'est là qu'on voit le manque de lucidité. Il avait deux joueurs tout seul à chaque aile. Vous voyez la différence entre. On voit la différence entre Niort et Brest. Niort cherche une solution plutôt en passe, en cherchant à courir, à s'arrêter pour donner la balle, à mettre de la vitesse dans. Le ballon, mais à être lucide dans la capacité à lever la tête pour trouver un partenaire disponible, alors que les joueurs brestois partent plutôt dans des actions individuelles sans prendre en compte l'ensemble des joueurs ni du repli défensif. Ah. Le but est accordé. Un petit peu forcé, mais enfin bon, regardez, il y a quand même quasiment 5 joueurs de Bressuire alignés, ça manque un petit peu de détachement sur le grand espace, ça permet un repli défensif plus facile pour les joueurs mortels. Ah, le public qui crie au scandale alors que il n'y a rien du tout, c'est de l'engagement. Voilà. Chacun essaie de mettre la pression comme il peut sur l'arbitrage, sur tout ça, mais il n'y a pas de... C'est pas bien méchant. C'est quand même impressionnant le nombre de pertes de balles de Bressuire là, depuis une minute. Effectivement, on est sur beaucoup de pertes de balles. On est de côté, hein, ça manque de justesse. Oui, mais bon, Bressuire se fatigue beaucoup plus quand même. L'Agnor qui reprend son dispositif très étagé. Alors, on va voir comment... Alors, on a tenté la rentrée côté Bressuire, mais il y a encore une perte de balle, une mauvaise transmission entre le demi-centre et l'arrière qui était parti équilibré à l'aile. Mais...
Très bon à comprendre, Nicolas Daubert qui marque. Ouais, ils accusent un peu le coup, les joueurs. Ah oui, là, je pense que... Ils n'arrivent pas à réduire un petit peu cet écart qui est de 10 buts maintenant, et c'est compliqué. On espère qu'il va essayer de trouver des solutions. Dans cette défense très étagée de Niort. C'est pas évident, il fatigue les blessurés. Voilà. Encore une perte de balle sur la dernière passe. Plus 10 pour Niort. Alors que nous sommes à la moitié de cette période. Bon, je pense que le suspense sera moindre que oui, pour les filles. La rencontre des filles tout à l'heure. Un très beau but de Paul Romer. Hein, Paul Romer, ouais. Qui est venu tirer sur un. Croiser un petit écran, effectivement, c'est... Ils répètent leur gamme, les Niortais, j'ai l'impression. Il nous faudrait un responsable de break pour la feuille de match, s'il vous plaît. Pour le prochain match, merci. Encore une fois, une défense très haute. Alors là, il trouve des solutions un petit peu sur l'extérieur. Mais 2 minutes, à mon avis. Ah, oui, c'est justifié. Oui, il est en retard. Il est en retard dans son intervention, c'est dommage. Quentin Joubert. Joubert. Oui. Mais ils avaient réussi à les prendre de vitesse sur l'extérieur et à fermer un petit peu tardivement. Les 2 minutes sont justifiées. Alors on va voir si cette supériorité numérique permet à Bressuire de recoller légèrement au score. Au moins pour se redonner confiance, c'est une bonne chose. Mais non, parce que si Étienne Gasnier est toujours aussi impérial dans les buts. Il est exceptionnel, Étienne Gasnier aujourd'hui. Il est exceptionnel. Plaisir à voir parce que là la solution était quand même toute trouvée. La solution était toute trouvée par Bressuire et Étienne Gasnier a eu tout seul à écœurer l'attaque adverse. Et encore un nouvel arrêt. Et encore un. Hein, vraiment, il aura tout fait. Il a intervenu partout, de loin, à 6 mètres, à l'aile, sur les tirs des pivots, il aura tout fait. C'est très bien, c'est une bonne chose, ça se récompense également de tous ses efforts, c'est très bien pour Étienne. Oh là là, encore une fois, un beau petit coup de poignet là, de Hugo Madier. Avec son bras gauche qui fait quand même vraiment mal à la défense de... Je devrais sur mon coup de temps, et à nouveau changement de gardien. Florian Debar a été remplacé par Henrik Fradin qui est revenu, qui avait laissé sa place pendant une petite dizaine de minutes, on dirait. Le coach Olivier Geffard compte tout. Hein. Il change de gardien, il essaie de trouver les solutions. Ouais. Maximum, mais bon, pour le moment, ça ne paye pas. À nouveau une perte de balle encore. Ah, on sent que Bressuire est de plus en plus. Ça va être compliqué sur la fin. Un peu la tête sous l'eau. Ouais. Je pense que les 12 dernières minutes vont être un peu plus complexes pour Bressuire, mon coutant. Et de provoquer une décision de 2 minutes pour Nicolas Daubert en même temps. C'est tout bénéfique pour Bressuire. Mais bon, le score reste toujours de moins 12 pour Bressuire. Il y a 11 buts d'écart là à l'entrée du Money Time des 10 dernières minutes, mais ça va. Score est lourd. Hein. Score est lourd. Ouais.
s'engagent, ils se battent, les joueurs devraient suivre, mais on sent que dans la qualité, physique, c'est balistique, c'est compliqué. C'est meilleur. Ouais, c'est meilleur. Et puis c'est pas illogique du fait de la différence d'écart. Et... Tout, on arrive quand même toujours à trouver des solutions de shoot, mais le problème c'est, ouais, c'est ce phénoménal gardien que t'ignore. Par contre, le Seigneur, ça score tout de suite. Peut-être en poussant un peu les ballons, en dynamisant un petit peu le grand espace, peut-être ça peut être une idée dans le jeu. Je pense que maintenant, ils tentent. Maintenant, est-ce qu'ils ont les ressources énergétiques pour pouvoir rentrer dans ce type de... Le jeu, je ne suis pas certain. En tout cas, Lyon n'est pas du tout émoussé de qualification hier et ça ne se ressent absolument pas. C'est même eux qui prennent le pas. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait croire à la rigueur que c'est Brespierre qui a fait un match hier et Lyon qui était hors pot, mais non, c'est l'inverse. Qui a joué plusieurs matchs dans la journée puisque c'est un tournoi de qualification dans l'agglomération bordelaise avec plusieurs rencontres dans la journée, qui s'est qualifié au tir au but en plus, donc avec à mon avis un ascenseur émotionnel pas toujours simple à gérer, et au final il répond encore présent. Ils ont dû rentrer hier soir, ils étaient à mon avis pas très tôt, ils étaient partis dès vendredi puisque il fallait être présent sur site assez tôt samedi, donc mais ça ne décourage pas Étienne Gastier en tout cas. Non, non. Ça ne l'impacte absolument pas. Continue son show dans ses buts. Un peu trop de jeu personnel côté Brespierre, je trouve. C'est la différence entre Niort qui cherche à toujours faire une passe de plus pour trouver la meilleure solution et Brespierre qui cherche d'abord sur les montées de balle, voilà, son maximum individuellement, mais qui manque un petit peu de lien collectif. Et c'est dommage, ça altère la qualité du jeu. Ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne peuvent pas se récompenser autant qu'ils le souhaiteraient, je pense. But, à mon avis, voilà. Exclusion des minutes. Pour Vanka Pichon. C'est juste. Ouais, le bras au niveau du cou, au niveau du tir. On peut signaler aussi également le très bon arbitrage d'Aurélie Archambault. Oui, qui a l'habitude. Qui en plus est toute seule sur cette rencontre, mais bon. Son binôme est blessé. Hein. Son binôme est blessé, c'est pour ça qu'elle s'est déplacée toute seule pour diriger cette rencontre. Mais bon, elle a l'habitude. Hein. Elle a l'habitude de diriger des matchs. Avec des intensités, des niveaux de jeu bien plus hauts, et je pense qu'elle sait maîtriser, elle a bien su évaluer le rapport de force et dans l'engagement de chaque équipe, elle a répondu présent. Niveau au-dessus côté nord, il n'y a pas à dire, on le voit hein, dans les impulsions, dans les intensités de shoot. Voilà, on le voit encore, alors que Marin Geffer essaye, au lieu de libérer son ballon, essaye d'y aller tout seul. À mon avis, ce n'est pas les solutions. Ils se fatiguent tous les uns après les autres à ce petit jeu-là et c'est tout bénef pour Niort. En plus, ils sont un de moins sur le terrain. Ah, encore une fois. Ouais, effectivement. Ouais. Ça s'énerve. Et puis, il n'y avait pas l'espace. Hein. Voilà. Il n'y avait pas l'espace. Je vais être honnête. Voilà. Chacun veut. Pour moi, il y avait une petite reprise de dribble. Mais... Mais ils font beaucoup d'efforts, hein, alors, à l'image de Tom Merceau qui n'a pas hésité à sortir, à courir fort. Ouais. Mais ils ne sont pas récompensés, hein, encore une fois. Voilà, c'est ça. Ils s'épuisent et le problème, c'est que mais plus on échoue après, plus on se fatigue moralement aussi. Donc,
Effectivement. Oui. Et on sent qu'ils sont en solution. Ah oui, ils sont en solution. Là, ça, les 5 dernières minutes vont être longues. On va dépasser la barre des 40 minutes. Et... À mon avis, les joueurs de Brest, ils attendent qu'une seule chose, c'est le coup de sifflet final, je pense. Oui, effectivement, ça semble complexe là, pour Brest. Les têtes commencent à être un peu baissées côté Brest. On les voit sur le banc de touche, un petit peu les abuser. Regardez, ils sont aussi. Je pense que de toute façon ils n'ont pas de regrets à avoir non plus. New York est un niveau au-dessus. New York est supérieur. On peut même dire quasiment deux niveaux au-dessus maintenant. Donc voilà. New York a montré qu'ils étaient au-dessus. Je crois que ça se reflète également par rapport au niveau de jeu de la saison. Donc il n'y a pas de là-dessus. Je crois que c'est assez clair par rapport à l'écart au tableau d'affichage. Maintenant, on peut comprendre la déception des vrais Suédois qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui auraient peut-être voulu une autre issue. Mais en tout cas, l'issue du match n'est pas illogique. Il faut savoir reconnaître la supériorité de New York et puis voilà, admettre la défaite, même si on n'aime pas perdre, ça c'est sûr, personne n'aime perdre. Mais bon, il faut savoir l'accepter, ils n'ont rien à se reprocher. Oui. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils l'ont mérité aussi. Ils ont fait un bon parcours pour arriver jusqu'ici, il faut aussi le valoriser. Et puis c'est aussi une première année de fonctionnement dans cette convention. On reste beaucoup de temps, il faut que tout le monde trouve ses marques. C'est une bonne idée d'avoir ce projet de fédérer les forces dans le handball masculin et féminin dans le nord du département. Donc, c'est les premières pierres d'une belle construction et ils verront les fruits de tout ça un petit peu plus tard dans les années à venir. Alors que côté Brest-Mire, on a mis un troisième gardien, c'est Mathis Grignon qui a pris la place de gardien. Mais je pense qu'Olivier Geffard a décidé de faire participer tout le monde à la fête malgré. Étienne. Alors que Étienne Gasquier, voilà, son côté joueur doit lui manquer. Ouais, c'est ça, il est sorti un petit peu. Voilà. Ça lui manquait à mon avis de retrouver le terrain. Il est sorti un petit peu de son but pour aller aider. Bon, il s'excuse d'avoir raté son tir, mais je pense qu'il sera tout pardonné. Avec tout ce qu'il a fait derrière pour son club depuis le début. Voilà. Il va à nouveau essayer de venir jouer un petit peu en attaque, Étienne. On peut dire qu'il a participé largement à cette victoire de cette finale. Il est à nouveau ressorti, hein. il est positionné juste derrière l'arrière gauche, on le voit. Il va se positionner à gauche, ils vont essayer de libérer. Je pense qu'il va absolument marquer un but avant la fin, voilà, c'est fait. Étienne Gasquier. Il démontre également qu'il a toujours ses vraies qualités de joueur de champ. Et... Oui, effectivement, le pivot était en zone au moment où il reçoit la balle, c'est normal, vous êtes 7 mètres. 7 mètres, il nous reste un peu moins de 4 minutes, Christophe. Bon, l'issue du match est visible. Et encore un 7 mètres. Geffard Marin a voulu essayer une petite roucoulette inversée. C'est peut-être un petit peu prétentieux face à Étienne. Mais surtout que Étienne Gasquier, il a quand même sorti 3 pénalties avant. On aurait pu s'attendre à une autre forme de shoot. C'était pour le spectacle match, on dira. Il a tenté. Vu le score, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose maintenant. Autant se faire plaisir, essayer des choses. Et puis, ça fait plaisir également aux spectateurs. Donc, on peut pas lui en vouloir d'avoir... Même si on perd, on a le droit de s'amuser quand même. De se faire plaisir. À mon avis, ce geste-là, il ne l'aurait pas fait s'il y avait eu juste un but d'écart. Si le score avait été serré à 3 minutes de la fin, il n'aurait peut-être pas tenté la roucoulette inverse. Gomadier encore, qui arrive à trouver une solution sur un tir
a dû mettre en appui. C'est... 40e but oui. pour Niort, donc... On l'avait dit, on l'avait dit. Le score est vraiment, vraiment large. Les 40 buts, ils nous ont prouvé. Ils auraient même pu encore en inscrire davantage, mais il reste encore... Il reste encore 2 minutes. Après c'est pareil, il ne faut pas que Bressuire se sente humilié par un score fleuve comme ça, car non, ils ont réussi à inscrire voilà. 23 buts, donc il faut aussi retenir le positif. Ouais, ils ont rien. Non, c'est vrai que Cognor était supérieur dans la capacité à défendre fort et à se projeter rapidement vers l'avant. Il y avait d'autres qualités dans l'équipe niortaise et je crois que c'est pas illogique que Cognor arrive à avoir un score aussi large dans la faveur. Corentin Leboeuf qui vient encore... aggraver un petit peu la marque. On voit que Bressuire attend vraiment la fin du match, là même. Il n'y a plus de motivation dans les attaques ni rien. Un petit peu abandonné. Essayer de marquer un but quand même. Ce serait bien de se récompenser. Les Niortais sont décidés à. Ils veulent rien lâcher. Hein. Ouais. Mais c'est aussi bien, ça respecte au moins l'adversaire, même s'ils sont au niveau au-dessus. C'est très bien comme ça. C'est encore un arrêt, les TNBC qui explosent sur cette parade à 6 mètres. Quoi. Pour permettre à Niort. Je pense qu'il a écœuré aussi un petit peu les artilleurs de côté de Bressuire-Montcoutan. Ça les a peut-être mis un petit peu dans le doute. Oui, parce que dès les premiers instants du match, il a répondu présent. Les 30 dernières secondes. Un petit but de Bressuire pour finir en beauté. Joue toujours. Amit n'avait pas sifflé. La relance d'Étienne Gasnier. Il reste 10 secondes. Allez, on va attendre prendre le shoot à la dernière seconde, je pense. Ouais, je pense. Voilà, c'est ça. Victoire finale donc de Niort contre Bressuire-Montcoutan 41-23 pour cette finale moins de 18 ans masculin de coupe départementale comité 79. Un match à sens unique, Christophe. Oui, ça c'est vrai qu'on peut le dire. On voyait vraiment nettement la différence des niveaux, mais bon. Bressuire n'a pas dit vérité non plus, ils ont craqué on va dire dans le dernier quart d'heure, ils ont vu que c'était pas jouable, donc ils ont lâché un petit peu, mais bon. Ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens, avec ce qu'ils étaient en mesure de proposer aujourd'hui, mais les deux équipes peuvent être fiers de ce qu'elles ont fait, chacun avec leurs compétences, leur niveau, et chacun a mis l'engagement nécessaire. Ça a été une rencontre où le suspense par rapport au résultat final a été très vite réduit à néant, mais par contre on a pu voir quand même de belles choses. Oui, et puis l'équipe de Bressuire n'a pas lâché, mentalement elle aurait pu exploser, elle a fait les efforts et c'est aussi à souligner car quand on commence à être un petit peu loin au tableau d'affichage, on peut lâcher complètement et là on a réussi à revenir. Non, ils ont essayé mais bon, ils n'arrivent pas à trouver les solutions. C'est que Niort non plus n'a rien lâché, même jusqu'à la fin du match, ils ont resté sérieux et impliqués dans leur défense aussi bien dans leur défense que dans leur attaque. Donc, je pense que c'est très bien aussi, ça prouve le respect qu'ils ont pour leur adversaire, même s'ils savaient qu'ils étaient... On connaît les valeurs des deux clubs, je pense que les deux clubs ont ces valeurs de respect, de ne pas lâcher. C'est une très bonne chose pour les deux équipes, on va assister à la remise des récompenses. Du terrain, les Niortais qui et leur joie à l'image peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Un week-end riche en émotions pour une qualification hier au tir au but pour le championnat de France la saison prochaine. Une finale de coupe remporte aujourd'hui. Un week-end positif, on va dire, pour les Dragons Niortais. Une saison richement remplie, on va dire, pour Niort. Amplement méritée aussi, parce que quand on voit les. L'effectif et les capacités de ces jeunes joueurs.
pense qu'ils vont pouvoir espérer le maintien au niveau national maintenant. Donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est une bonne chose pour le département de retrouver ce niveau national. On a l'impression qu'on avait perdu depuis trois saisons et c'est une bonne chose que Seigneur ait réussi à se qualifier cette saison. Ça prouve aussi le travail qui est fait par l'ensemble des clubs à travers cet exemple. C'est très bien. Les coupes vont être remises par les membres du comité aux finalistes et aux vainqueurs. Et ensuite, nous retrouverons Lucie pour les interviews des joueurs. Alors j'espère qu'on aura Étienne Gastien à l'interview, Christophe, puisque ça serait bien que Lucie arrive à attraper Étienne Gastien au passage et lui demander ses impressions sur ce match assez exceptionnel de sa part. En tout cas, nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour la finale garçon à 14h. Donc finale garçon à 14h, donc mon tout temps est prêt. D'ici là, on vous laisse avec les interviews à Lucie et on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure, Christophe. Je crois que tu signes les liens. À tout à l'heure. Bon les gars, félicitations pour cette belle victoire. Alors quelles sont vos premières impressions après ce match? C'était cool, on a fait un bon match. C'était une ambiance agréable, il y avait un peu de public, c'était cool. On a eu du mal à se détacher au début de match, mais après on a réussi à installer notre jeu et on a fini tranquillement. Bon, on les a niqués quoi. Non, on a bien joué, on les a bien gagnés et on les a usés, voilà. Alors, vous n'êtes pas au total effectif aujourd'hui, on peut parler un petit peu de l'effectif qui est manquant? À la base, c'était pas cette équipe-là qui devait jouer, c'est que l'équipe moins de 18 régions s'est qualifiée hier en championnat national pour l'année prochaine. Et du coup, on a pallié leur absence. Et du coup, c'est nous qui jouons aujourd'hui, et puis le résultat est là, quoi, on a gagné quand même.
Donc qu'est-ce que vous retenez justement de ce match? C'était une bonne ambiance et une bonne victoire. C'est ça, c'est la bonne victoire. Ça se fête. Ça se fête. Ok, en tout cas, merci beaucoup et félicitations encore. Merci. Alors les gars, vous venez de jouer la finale de la Coupe des Deux Sèvres contre Niort. Quelles sont d'abord vos premières impressions à la fin du match? Bah, déçu d'avoir perdu, logique. Après, on est quand même content du parcours qu'on a fait. Enfin, arriver en finale, c'est pas rien. Et puis bah, on est content d'avoir joué contre une équipe aussi forte, on a fait des choses. Et puis bah, c'est toujours intéressant de jouer contre plus fort que soi. Donc, Le niveau était énorme en fait, c'était un jeu beaucoup plus fluide que le nôtre. Après, bah, on n'a rien pu faire. Et toujours, des fois on s'est un peu endormi et c'est ce qui a causé notre perte. On est un peu déçu, mais cependant, faire une finale c'est toujours passionnant. Après, la logique a été respectée, les Niors sont plus forts que Bressuire. On a beaucoup appris et je pense que les jeunes, même s'il y a de la frustration en fin de match, vont être contents par la suite parce qu'une finale, on n'en fait pas tout le temps. Donc bravo aux jeunes, bravo à Niort, bravo à tous et vive l'Orand. Alors, on peut rappeler que Niort est au niveau régional. Vous n'avez quand même pas tout perdu, vous êtes champion départemental. Donc déjà, quel effet ça vous fait? Bah content, enfin l'année dernière, on avait fini deuxième. Donc là, finir premier, c'est chouette. On va finir là-dessus, la saison, c'est super sympa. Bah, c'est génial, mais... Être champion départemental et premier du classement, ça aurait été top du top. Oui, alors les jeunes ont fait un parcours très sympa cette année, avec beaucoup d'assiduité sur certains entraînements, un petit peu moins sur la fin. Mais bon, le bac aussi cette année est présent. Donc là, demain, ils passent tous l'épreuve de philo, pratiquement tous les gars de l'équipe. Donc c'est une année qui est un petit peu compliquée aussi pour avoir des niveaux sportifs. Mais bravo à eux parce que c'est un beau parcours. Bravo encore à eux et puis du coup bon courage pour demain pour le bac. Merci à vous. Vincent, il y a encore une interview, on la fait tout de suite. Du coup, je vais juste te présenter, après je vais te présenter un petit peu en détail et du coup parler du coup de l'évolution entre ton passage d'ici dans le match de Sèvres et jusqu'à... Ouais, on parlait du pôle quoi. Ouais. Après c'est juste 2 minutes, hein, c'est très court, vas-y, c'est pas bien entre les deux. Alors on a aussi la chance d'avoir avec nous une petite invitée spéciale, donc Alizée Chevaux, présente-toi. Bonjour, j'ai 17 ans, je joue à Celles-sur-Belle en deuxième division et je suis issue du club de Saint-Symphorien, enfin d'HB Sud maintenant, voilà, aujourd'hui. Alors du coup, tu as été formée à HB Sud, tu joues maintenant à Celles-sur-Belle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution, justement, comment ça se passe de passer du niveau amateur au niveau professionnel? J'ai commencé à Saint-Symphorien jeune, il y a 6 ans, et je suis rentrée en Pôle Espoir en fait. Et c'est le Pôle Espoir qui m'a permis d'avancer et de pouvoir faire du niveau professionnel aujourd'hui. Il y a forcément une très grande marche parce qu'en 3e, je jouais en moins de 17, en 2e en National 3 et en 1ère en D2. Donc forcément, la marche est très grande. Je pense aujourd'hui que c'est encore compliqué pour moi d'avoir un niveau stable en D2 et il faut que je travaille. Voilà. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage pour la D2 et puis on essaye de réussite aussi sur le club de Celles-sur-Belle. Oui, merci. Et un petit mot au club formateur de d'HB Sud qui m'a quand même porté et qui est un club très dynamique que je remercie profondément. Voilà. Merci à toi. Super. Merci beaucoup.